Et yo les petits potes, c'est vrai qu'une nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du défi de l'esprit électrique, voilà, tout simplement. Donc on va continuer avec le deck Arc-X les gars, tout simplement. Voilà, je pense que l'Arc-X c'est un des meilleurs trucs. Donc on va partir sur sa première gamme pour 470 de ressort. Ok, on va mettre en esprit. Ok. On s'en est pris un, c'est pas dramatique quoi, cycle de bûche. Bon lui normalement il y a une roquette si je me trompe pas. Faites une snowball. Hop. Non, casse-toi. Pourquoi un joueur ça tape mec? Ok bon. Il joue mineur sa peur. Très bien. Non mais attends, bon tant pis, vas-y. Nique sa mère. Il n'y a pas la bûche en main. On va mettre une bûche plus un esprit. On va les faire connecter tout ça là. Ok, bon, on est au but de ça. Je pense que là le but c'est de garder ça. Regardez, je vais mettre une pompe là. Il sait pouvoir que le mettre là. Ok, mon armé et sapeur, on va juste mettre une petite snowball. Voilà. Nickel. Toi qui mettre son mineur. Dommage. On a mettre une scooter parce qu'elle est pas sinon qui va faire mal. Putain, il détruit un pompe à chaque fois, il est chiant. Voilà, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait un Arc-X. Oui, il y a clairement moyen qu'il y ait un Arc-X. Bon là, il y a, je crois, il me semble, il a pas raté cet espère, ouais, dommage. Ouais, ok, il va mettre des sapeurs en plus, ça c'est cool. Bon là, on va essayer de mettre celle-là, comme ça. Là, il va le mettre là, j'aime bien s'il le met là. Putain, mais il le met... Chier. Ouais, on fout les gars. Ouais, il met le sapeur. On va bûcher tout ça alors. On va mettre un chevalier. On est prêt à mettre une boule de neige si on met des sapeurs. Des sapeurs, des basses. On va juste mousquetaire pour aller sur ça. Ok, on a l'esprit pour aller gérer ça, nickel, parfait, là on se met extrêmement bien. On a recyclé un Arc-X, ça va pour mettre même une Tesla. Nickel, la Tesla qui était bien jouée. Hop, on protège l'Arc-X, on protège rien du tout, ouais. Enfin, on remet un Arc-X alors. Je pense qu'il va être une ligne à gauche, je ne pas, c'est pas bon, ok, bon, là, on va partir sur cette victoire. Donc 4-70. Et voilà. D'ailleurs les gars, si vous vous abonnez, le petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. On va juste faire un truc. C'est quoi ça? Excusez-moi. Ah, c'est ça. Voilà, nickel. Ok, nickel. On la max, on s'en fout, ça fait des pièces et du gold, ça fait plaisir. Prochaine carte que je max, ça sera évidemment la snowball, voilà simplement. Et en étoile, je maxerai le colis qui est juste là, parce qu'il est trop stylé. C'est une de mes cartes préférées. Là, je suis Cédric de Nawak No Life. Ah, bon, lui, il a pas dit alors, skip. Ok, on prend un artiste là au pont les gars, vous connaissez, first play. Ok, ma petite géant royale, très bien. En vrai il a bien joué, il a bien placé son gère. Non, ça c'est peut-être pas ouf. Sinon on dirait moi quand je force mais c'est de la merde genre. Je fais des pêches à 25.
Voilà, bah clairement Activateur du Roi, les gars, vous commencez à connaître. Alors là, quoi, la chapitre. Bah, nickel, la tête. Il n'y a plus de gros sort. Ok, donc il y a une boule d'F. Bah, du coup, on a une pompe gratos, ça c'est cool, ça fait plaisir. Ok, mingère, on va juste partir. Ça. Ouais, j'ai plus d'effort, j'ai juste une bûche, hein, ça l'effort. Nickel, on est bien. Vas-y, mets ton plat. On va mettre un esprit comme ça. Nickel. Ok, il joue la pompe de gauche. Très bien, on va juste mettre une bûche. Ok, bah on va partir en... Ah, attends, je vais te sens... Pour un artiste, ça, les gars. Ah ouais, c'est trop lourd, l'artiste relou. Ah ouais, là je l'ai obtenu quelque chose. Regardez, hop, et voilà. Tuto et Taiko. Ah, mais la mini PK. C'est une faire foutre là. En fait, faut que je l'aide sa gueule. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est mettre une pompe. Là, Pump, il met tous les jours un GR. Hop, on met une Valky. Ok, on met une Valky, très bien. Bon, là, il a fait un peu de la D, il me semble. Hop, nickel. Là, regardez, hop, on fait comme ça. On met ça ici, au moins. Voilà, les gars, on a fait shoot. Ça, c'est GG de notre part, ça. Hop. Voilà, évidemment, protéger. Mais ça sert pas à grand chose puisqu'il y a un GR. On peut même remettre une Tesla, vous voyez. Et ça change rien. En fait, c'est ça qui est chiant, ça change rien. C'est parce que le gars, il est une de ses. Un de ses counters, mec. GR plus qu'il fait, quoi. Pas plus. Ok, nickel. Là, en vrai, je me mets bien. Voilà, les gars, on va commencer à spam. Hein. Ah, yep, c'est parti, un max spam. Ça s'est fait doubler, là. Hop, les gars, double Tesla. Allez, hop. Ouais, je pense que c'est qu'il a mis, hein. Ouais, je pense que c'est qu'il a mis, là. Le BDF, mec, j'en mets en direct. Je cherche même pas. En fait, ce qui est trop bien, c'est que je cycle comme un top. Regardez les gars, là vraiment le ski, là dites-moi si vous voyez le ski là. Là mec, je fais que spam, depuis tout à l'heure je fais que ça. Voilà, l'Arkix, il va prendre un coup, c'est pas grave, on met une Tesla. L'Arkix qui coque comme un porc. Il met une BDF, qu'est-ce qu'on fait? On remet un Arkix. On va cycler vite une Tesla. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait nous? On fait ça pour son manœuvre de temps. Ouais, là ce qui va casser le plus, c'est que je défends sur GR. Le GR évidemment, bien évidemment défendu. Là on va mettre ça tranquillement. Et voilà. Et les gars. Ah, vas-y, il rend fou là. Ok, bon. Ok, on a juste à cycler. Ok, j'ai un mec. Ouais, en vrai il avait un cutter je pense là. Il y a mal joué alors. Je pense quand même qu'il a mal joué parce que je pense que ça va être une éclatère. Ok, on gagne des pièces, ça fait plaisir. Enfin, mais... bah, en vrai il a quand même mal joué. Je pense qu'il a mal joué parce qu'il avait quand même un beau counter. Et même lui je pense qu'il avait... Bon lui il avait pas de counter mais... lui il avait un beau counter quand même. Il avait le GR pour aller chercher l'Arkix. Il avait double mini tank, il avait une Tesla, il avait des troupes de loin, il avait un gros sort. Il avait quelque chose pour Izette.
Ok, continue. King James de Blacksmith 2.0. Et on va repartir en... On va partir en Arctic Tesla au pont, les gars. Hop là. Ok. On va juste faire ça pour que ça touche pas. Évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réussi à le rater. Hop, nickel, parfait. On a fait une belle dev, je pense. On a mis beaucoup de dégâts. On a quasiment 800 de dégâts, mec. C'est pas négligeable, non. Ok, je viens dans l'hôtel. Ouais, je viens dans l'hôtel. Sur les gars, on a une bûche. On a une bûche pour aller jouer le sorcier. Hop. Ah, les def. On va prendre deux élex, c'est pas négligeable aussi. Il a dit beaucoup d'élex, je crois. Là, je pense que c'est la meilleure pour passer en archi, ça fait ça mal. Nickel. On a bien projeté sa surprise. Ah ouais, c'est juste pour prendre des cieux et prendre ma tour. Nickel, bah ouais, c'est bien. On va juste faire ça là. J'ai dû mettre une mousquetaire quand même. Je pense que ça va mieux, c'est la mousquetaire en vrai. Baby Drag qui va gratter. J'ai deux mousquetaires, c'est pas grave. Je crois qu'après cette. Après ça là on débloque une bonne carte, je crois. Ok, encore un Arctix. Et il a un Rage Kit. On va aller plus vite, c'est un peu lent. Hop. Là, je veux juste recycler un Arctix. C'est reparti. Hop. On est fait pour ton coin pour les paliers. Ah non, c'est vrai, juste un bon passe. Et voilà, on va aller prendre cette win contre King James de Blacksmith 2.0. Et on va, je crois, débloquer la nouvelle carte, il me semble. Et oui, c'est exact, on va débloquer la nouvelle carte, ça fait plaisir. Donc voilà, vous la voyez. Après, on va aller l'améliorer dès que j'aurai les 250. On tombe sur Petrush, d'un clan russe. Et on va partir en Arctic Tesla. Merde. On va partir en Arctic Chevalier du coup. Ok, ouais, c'était. Ouais, je sais pas, j'ai trop bien joué là, non? Je sais pas. On va jouer Snowball. Je pense que si je joue Snowball, c'est fait. Ouais, je pense que c'est une bonne Snowball là. On va partir comme ça. Ok. Je pense que c'est une bonne de. Ah, il a fait Roman niveau 8. C'est chaud pour lui de gagner. Oui. Ah. C'est pas cool ça. On va prendre beaucoup de l'arquis, ça prend beaucoup de dommages sur la tour. Je crois qu'il y a même. Ouais, pas pour la tour. Ok, bon. 400 HP, ça reste très bon. Ok, on va prendre. On va mettre une pompe. Ok, il met. On va essayer de la mettre sur le tour du roi. Hop. Oh, dommage, je l'ai pas réussi. Ok, c'est pas grave. Cette fois, en tous les cas, on a la snowball. Bah, cette fois, on a la snowball. Hein. Cette fois, pas déconner.
Ok, là on a vite le chevalier. Ok, le chevalier qui est très bon placement de chevalier. Hop, on va mettre une Tesla pour assurer la tour. On va mettre des petits esprits. Esprit qui saute. Est-ce que ça défend bien? Ouais, en vrai, je pense que ça défend extrêmement bien. Des choix de test. Bon, on va mettre un Arquis de l'autre côté. On a une prêche de bûche. Ça va pas trop marcher. Il s'est mis la mesquée, je suis prêt. On a une mousquetaire bien proche, bien proche. Faut pas que le MK saute s'il meurt. Si mon jeu il meurt. Donc il y a une Tesla pour aller, voilà. Mais avant que je fasse ce mode 9, ça va échapper les... Ouais. C'est cool, on va partir en Arkix. 3, on pêche une bûche. Ouais. C'est très bien comme ça. Il y a le cas qui touche pas, c'est plutôt cool. Hop, 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 nickel. On va pas remettre une Tesla. On peut remettre une snowball, nickel. On peut mettre une bûche aussi, hop. Et on va aller prendre cette avant-dernière pétruche. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. D'ailleurs les gars, si vous voulez mon lien d'amis, n'hésitez pas sur Instagram les gars, je vous le donne directement. Voilà, nickel. Vous mettez juste le screen que vous êtes abonné et voilà, c'est tout. Hein. Je vais pas rechigner pour ça. On a quoi dans la boutique d'ailleurs? Est-ce que je peux me permettre d'acheter un truc? Ouais, non, y a aucune carte que je veux jouer là. Snowball, j'ai acheté. Bon, les gars, observez cette Sarks deck. Ouais, je peux le jouer là-dedans, hein, les gars. 12, 12, 12. Bon, lui, je l'ai max du coup. Ouais, 5, j'ai 11, mais. Ah, c'est pas grave. Je peux jouer l'Arkis de base. Juste, genre, boucle d'effet bûche 12, sinon tout le reste c'est 13. Donc, squelette, esprit de glace, tout le bordel, là c'est 13. Et on va juste pour l'instant cycler. Ok, bon. Ah ouais. Ouais, lui, il a plus le temps. On va mettre une bûche. Normalement, ça fait une bonne def. On a pris quand même cher. On a pris quand même cher. On va quand même protéger ma mousquetaire avec un petit esprit. Ah ouais, ça, c'est pas cool, ça. Ah non, il y a des barbares, sérieusement. Ah, c'est dommage qu'il ait des barbares. Ok. Ok. C'est de l'ail. Merde. Vous avez rien vu les gars, vous avez rien vu. Ouais, j'ai mes frères, il t'a l'air avec tes touches de mort là, qu'est-ce que c'est quoi? Ah mais c'est grave, il balance une tire au pont frère. Ah bah rien. Ah celle-là les gars, je vous promets rien. Hein. Ok bon, on va mettre une pompe, on va mettre une sur terre. On a le chevalier, faut juste pas qu'il nous pré-shoote TDE. On va pas le faire parce que ça a mis trop de boue. Bon, il a ce qu'il a fait, il a pas pré-shoote TDE mais il a pré-shoote Barba. Non, mais c'est trop mec quand il spam le gars. Donc, tout un HP évidemment. Genre ça touche. Ah non non mais je suis pas d'accord avec ça par contre là. Je suis pas venu ici pour se foutre en fait. Ah mais vas-y casse-toi avec ta tête de merde là. Bon le gars était meilleur. Bon là je vais réutiliser le pass mais c'est pas mérité ok. Normalement il y a une défaite, j'ai testé un deck.
Il y a une victoire, il y a une défaite. C'était pas réalisé. Excusez-moi les gars. Non, non. Bon, si je le passe. Ah non, putain, faut refaire le deck. Vas-y, quoi pour le dernier, mec, je vais me prendre le deck aléatoire. Tu sais quoi, je vais compter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, j'ai fait un gomme, ça me va. Ça pourra faire la miniature plus tactique, les gars, 9-0. Ok, Igolem. Nice, parfait. Déjà j'ai un deck. Les frères, c'est. Vas-y, je vais taper des decks de merde là et je tombe sur des putains d'Igolem. Super le Jux quoi. Bon, Ah oui, bah tiens, je vais t'en parler de ça. On a trop marché magique ici. Ouais, mais mec. Bon bah, GG, je pense vraiment il était meilleur, les gars. Non, mais là, les gars. Mais regardez-le, il se plaint. Non mais les gars, genre au bout d'un moment, je vais bien être sympa, mais bon là, je sais pas, j'essaye de limite tolérer là. Enfin la même chose, allez hop. Tu vois, il va def. Ah, voilà, allez, petite fête chasse. Ah, voilà, il y a un peu petit esprit. C'est défendu tout ça. Hein. J'ai envie de spam. Hop. Un mob de spam. Hop. Nickel. Voilà, j'ai mis tout à 300 HP parce que j'ai spam. Et là, il est reparti en Nicolet, mais j'ai lose. Je vous jure, les gars, on n'a pas le même délai que ça. Ah. Derrière, il a mis clic. Cher. Celui-là, ça change pas grand chose, hein. Je vais pas vous mentir, ça change pas grand chose. Je vais mettre un pêcheur ici pour revenir à Kaïsos, j'ai ça. Il y a trop la meilleure technique, genre utiliser l'esprit, ça utilise genre. J'ai rien à dire les gars, je peux. Déjà le gars il a un coup tard pour commencer. Bon. Non. Je vais changer le deck. Vas-y, dis quoi le défi, c'est de gagner des decks de merde là. Non, pas de l'upbait. Non, arrête. Je défends comment, frère? Bah ouais, mais ça. Eh, je vous jure, il rend fou. Ok, bon. Ah putain, il est en sorcier, mais cassez-vous avec le deck de merde là. Ah bah oui, toujours plus de spam. Ah mais mec, il met 3 putains d'Elex, mec. Oh, on a mis pas mal de dommages là. On va mettre une cabane. Voilà, je vais me concentrer parce que j'aimerais bien gagner une. J'aime bien améliorer la carte là. J'ai terminé ce défi, sous défi, ça me saoule. Ok, là j'ai un télécope, ça c'est cool. Ok. Oula. Regarde, c'était pas ouf ça. Le zap il était pas ouf. Mon ancien frérot là il était pas incroyable.
Le pêcheur. Un coup. Deux coups. Trois coups. L'esprit fait moins de dégâts. J'espère qu'il va se connecter comme ça. J'en ai plus de dégâts. On va partir de l'autre côté, les gars. On va mettre un BDE. On va mettre un pêcheur pour aller prendre le sorcier. Hop. Okay. Alors l'esprit fait combien de dégâts? 82, d'accord. Bah... Mec, regarde, il va kiffer ce que je vais faire là. Hop là, ça va. Hop, nickel, je pense que là il a kiffé. On va quand même terminer la tour, faut pas déconner. Hop, l'esprit. Esprit d'infini, les gars, on va le Fisherman. Hop, là, la hutte de Goblin. Eh oui, c'est ça, là. Et les gars, on va l'éternuer ce défi, c'est incroyable. Non, vraiment, ça me saoule là. Ce défi, j'aime pas les défis comme ça, je trouve ça pas incroyable. Ok, on va aller récupérer la carte. Hop, nickel. C'est quoi ça? Oh non, putain. Oh, sérieusement. C'est un truc grandiose ça, putain. Bon, nickel, ça c'est cool qu'il mette deux jetons. Ça c'est bien qu'il fasse ça, Spearcell. Bon, les gars, mon objectif c'est 15. Et on va l'améliorer cette carte. Ok. 5. Voilà. Ok. Niveau 4. Niveau 5. Niveau 6. Je crois qu'il faut le mettre niveau 7. Allez. On n'améliore pas notre esprit niveau 7, nous. Ok. Bon, les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et ciao.